Kaya ya kukamba koloko kayaka Ezibate eso zizo lazima zo kusanuka Good chicken, it's good chicken. That's Muchomo. Muchomo. Kwawe kyungira ase Ngaye wakante kuwa keru Because it hasn't rained in a while and that's usually our source of water. Sam, in red guinea pig, the big boss poses on his friend is all of the you are. Also, Pioni, also, Mukoko. Cette vidéo, c'est l'extrait du documentaire que j'ai tourné lors de notre dernier voyage missionnaire en Ouganda. Ouais, là c'est en Ouganda. Et vous avez vu le pays. Aujourd'hui, ce pays est en train d'émerger. Aujourd'hui, l'Ouganda est en train d'émerger. Pendant que l'Ouganda émerge, le Cameroun est en train de reculer. Amagumba mamundi mwawase yetena lo senginde mulmusea temena pwe ndodo il Afrika e Amatumba mamundi mwawase yetena lo senginde nini pembe bele do balongo to weni de bele ponde moto weni ponde Jesus Christ.
du Airbus A330neo. Au Cameroun, on a encore au niveau des bombardiers, les avions de la Première Guerre mondiale. Là, c'est notre niveau au Cameroun actuellement. Là, l'Ouganda est déjà au niveau du Airbus A330neo. Vous avez vu comment le président ougandais inaugure l'appareil. Vous avez vu comment le président ougandais inaugure une usine de montage de téléphones portables et de laptops. Vous avez vu cela. C'est en Ouganda. Vous avez vu comment les Ougandais eux-mêmes fabriquent les voitures. Ils fabriquent les bus. Ils fabriquent les voitures électriques, les voitures hybrides fabriquées en Ouganda. Honnêtement, j'ai eu mal quand j'ai vu ces vidéos-là. Vraiment très mal. Vraiment mal. Parce que je connais l'Ouganda. C'est un pays que je connais très bien. Je n'ai pas été là comme touriste, mais comme un voyageur missionnaire. Donc, j'ai voyagé dans plusieurs villes du pays. Kali, Suzo, Tungamo, Kampala, Mbarara, Gulu, Mukono, dans plusieurs villes. Donc, je connais le pays. Je connais très bien le pays. Et lors de notre séjour, nous avons même été reçus par la première dame à la présidence. Oui, lors de notre séjour, du moins les deux séjours, j'étais là-bas deux fois, ok. Lors des deux séjours, la première dame nous avait reçus au palais présidentiel. Le pays est en train d'émerger. Mais au Cameroun, on attend encore 2035 pour émerger. On va dire, on a les stades, on a les stades, on a les stades, on a les stades. Et pendant que d'autres pays sont en train d'émerger, au Cameroun, on nous embrouille encore avec les histoires du tribalisme. Il y a encore le tribalisme au Cameroun en 2022. Le président Ali Joe avait déjà dénoncé le tribalisme au Cameroun en 1983. Il dit que les gens du Nord qui sont à Douala et à Yaoundé sont agressés verbalement par certains hommes du Sud. 39 ans plus tard, on parle encore de tribalisme. Pendant que d'autres pays sont en train d'avancer, le Cameroun recule. En Ouganda, il y a aussi plusieurs tribus là-bas. Mais là-bas, on ne parle pas de tribalisme. J'ai été dans des villages, dans des villes. Là-bas, on ne parle pas de tribalisme là-bas. On ne parle pas de tribalisme. Quand j'étais là-bas, le pays ne ressemblait à rien. Kampala, à l'époque, était comme Bafoussam. Kampala, quand j'étais là-bas en 2009, était comme Bafoussam. Comme Bafoussam. Il n'y a presque pas de route là-bas. Maintenant, le pays là est en train d'émerger. Pendant que ce pays émerge, le Cameroun recule. Le Cameroun rentre en arrière. On va seulement dire, on a des stades, on a des stades. Et ces stades ne vont servir à rien après la CAN. Le transport de la Chine, de Shenzhen, c'est la ville où se fabriquent les ordinateurs par les Chinois eux-mêmes, la société Sichuan Telecommunication Engineering. Quand je dis souvent que le Cameroun ne valorise pas ses enfants, les gars viennent dire que je suis en train de mentir, les gars m'insultent, ils font ci, ils font cela. Justement, le Cameroun ne valorise pas ses enfants. Voilà, Fama Dongo et le gouvernement, les gars vont en Chine, ils prennent un crédit de 75 milliards, un crédit pour les ordinateurs. Au lieu de venir au Cameroun, ok, au lieu que les gars demandent à ces Chinois de venir au Cameroun faire une usine d'assemblage et former des Camerounais, les gars préfèrent aller en Chine faire ça là-bas. Les ordinateurs Polvia fabriqués en Chine. L'Ouganda a eu le même problème, mais les gars ont préféré faire venir les Chinois en Ouganda. Ces Chinois ont formé les Ougandais et les Ougandais fabriquent les téléphones et les laptops. Ils fabriquent les téléphones et les laptops en Ouganda. Ça, c'est un pays que je connais très bien. Très bien. J'ai été dans plusieurs villages en Ouganda.
Mais quand je vois comment le pays est en train d'émerger, j'ai vraiment mal. Le Cameroun peut le faire parce que l'Ouganda et le Cameroun, c'est pas différent, honnêtement. L'Ouganda et le Cameroun, il n'y a pas une grande différence. Ils ont les mêmes problèmes. Honnêtement, ces gens qui dirigent le Cameroun n'aiment pas le Cameroun. Ils n'aiment pas le Cameroun. Le Cameroun a tout pour émerger maintenant. Le Cameroun a tout pour émerger maintenant. Mais les ministres préfèrent s'enrichir. Quand on nomme un mec, au lieu que le gars serve le pays, le gars se sert. Au lieu qu'on prenne les gens qui sont compétents, on préfère prendre quelqu'un parce qu'il soutient le président. D'abord, je n'ai pas été nommé parce que j'ai gagné une élection avec le PADEC. J'ai été nommé parce que j'ai soutenu le chef de l'État. Vous savez pourquoi vous avez été nommé? J'ai été nommé parce que j'ai soutenu le chef de l'État qui a gagné. Vous savez pourquoi vous avez été nommé? Il a gagné et il a récompensé les gens qui l'ont soutenu comme moi. C'est ça le Cameroun. Pour qu'on te nomme ministre, il faut que tu soutiennes le président. Donc on prend des gars médiocres qu'on met là-bas, les gars vraiment médiocres qui ne connaissent rien. Parce que les gars soutiennent le président. Voilà pourquoi on le choisit. Parce qu'ils soutiennent le président. Pas de compétences. Et quand de nous, le gars vient, il se serre, il se serre, il se serre. Il devient costaud. Le ventre sort comme ça. Il met ses enfants à l'énorme. Tout ça là, c'est ça le pays. C'est ça le pays. C'est ça le pays. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui sont fâchées. Plusieurs personnes sont en colère. Si tu es très fâché, mets seulement ton insulte en commentaire. Passe une bonne journée. Bye bye.